Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Bienvenue, très heureux de vous retrouver. Nous sommes à la Hans-Martin-Schleyer-Halle de Stuttgart en Allemagne pour la 24e édition de cette épreuve ici en Allemagne. Une épreuve de Coupe du Monde, catégorie A. C'est la dernière épreuve avant la finale de Sao Paulo qui aura lieu en décembre prochain au Brésil. Et à nos côtés, à mes côtés, pour commenter cette rencontre de Stuttgart, eh bien Laurent Barbieri. Salut Laurent. Bonjour Olivier. Laurent, grand rendez-vous après les mondiaux de Aarhus au Danemark. Et malheureusement, la France eh bien, n'a pas brillé puisque les Français sont revenus sans médaille. Voilà, c'est vrai, sans médaille avec une 10e place par équipe. Et oui, effectivement, on a fait un parcours somme toute correct sur 5 agrès et malheureusement une hécatombe de chute, on va dire, au bar parallèle avec 4 grosses fautes. On en reparlera hein, tout au long de ce rendez-vous de Stuttgart, de ces mondiaux avec les tricolores. Et on va débuter tout de suite avec l'épreuve féminine au saut de cheval. Et nous avons ici à l'image la jeune ukrainienne Marina Kostyuchenko. Un premier saut en lune, salto avant, tendu demi-tour. On peut peut-être d'ores et déjà parler du nouveau code de pointage, puisque si vous n'étiez pas avec nous lors de l'épreuve précédente de gymnastique sur l'antenne de Sport Plus, on avait avec Pierre-Yves Béni parlé du nouveau système de pointage. Laurent, vous nous rappelez un petit peu les formalités? Voilà, donc le code de pointage qui se pratique, on va dire, avec deux corps de juges. Un corps de juge qui classifie les difficultés pour évaluer, pour déterminer une note de départ. Et ensuite, un corps de juge qui va pénaliser, sanctionner et donc déterminer également la note finale. Alors, Kostyuchenko va avoir la note de référence hein, dans cette épreuve au saut de cheval, puisqu'on a vu sa moyenne de 13,962. Jana Kormskova, la Tchèque. C'est une spécialiste, elle, du saut de cheval avec ici... renversement demi-tour, lune, salto avant, carpé et demi-tour. Un beau saut. Oui, très joli saut. Hein. Avec bien entendu toujours beaucoup de monde ici à Stuttgart. 115 gymnastes hein, au total pour 32 nationalités, 78 jeunes hommes et 37 jeunes femmes, des médaillés mondiaux présents ici en Allemagne. Et puis il y aura deux Français qu'on verra tout à l'heure au saut de cheval masculin. Thomas Bouel et Raphaël Vinyanits. Ouais, magnifique, Yurchenko vrille et court tendu. Très très belle amplitude. Regardez comme ça remonte très haut. Le demi-tour, ça s'envole et retour sur le sol, bien entre les deux lignes de réception pour Jana Kormskova. Olga Shcherbatkyl, l'Ukrainienne. Voilà, même saut que la Tchèque, là, avec un renversement lune, salto en carpé demi-tour. On voit l'élément préparatoire sur le tremplin. D'abord la rondade, pose de main au sol. Les pieds sur le tremplin, demi-tour. Lune, salto avant tendu, demi-tour. Première note de 14,350 pour l'Ukrainienne. Pendant les championnats du monde d'Aarhus au Danemark, Laurent, il y avait un article très intéressant hein, qui vous concernait dans le quotidien L'Équipe sur l'art de s'envoyer en l'air, parce que vous êtes un spécialiste du saut, on le rappelle. Vous avez été médaillé d'argent aux mondiaux en 1985 et vous comparez ça un petit peu... Un saut dans l'espace, hein, le saut de cheval. Bah, tout à fait, en fait, le saut, c'est 25 mètres d'élan, une prise d'élan. Et on se sert du saut de cheval pour, comme je l'ai dit, s'envoyer en l'air, c'est-à-dire se propulser dans l'espace, exécuter des figures acrobatiques et retomber sur les pieds. On a des sensations vraiment d'envol. Ouais, c'est ce que vous expliquiez. Hein. Vous aviez l'impression un petit peu d'être comme dans un parachute. Vous entendez le bruit du vol lorsque vous êtes en l'air? Voilà, tout à fait, le vent qui se frotte aux oreilles, on va dire, dans la vitesse et dans l'amplitude, dans la rotation. On a des sensations qui sont bien à nous. Et comme un parachutiste, vous pouvez atterrir sur l'équivalent d'une pièce de monnaie. C'est au millimètre, hein, tous ces sauts. De plus en plus d'ailleurs, puisque maintenant les réceptions sont limitées par des traits, on va le voir là. Vous voyez les traits, là, elle tombe à côté, donc elle est pénalisée.
Et tout le travail du gymnaste, c'est de prendre des informations visuelles et de diriger son corps pour le faire tomber au bon endroit. Il y a des notions de technique, de précision, mais aussi des notions de sécurité pour éviter de se faire mal. Elena Zabolochikova, la Russe, ah, c'est une grande dame de la gymnastique. Hein. Elle est une nouvelle fois médaillée aux mondiaux d'Aroys puisqu'elle a obtenu la médaille de bronze par équipe. Et puis que dire d'Oksana Chusovitina? Elle a 31 ans, Laurent, c'est incroyable cette carrière pour être désormais l'Allemande, puisqu'elle est de nationalité allemande depuis quelques semaines. Oui, c'est une grande gymnaste, avec ici l'une salto avant vrille, tendue. Oui, elle a des ressources extraordinaires, hein. C'est-à-dire qu'effectivement, elle est, on va dire, toute jeune pour la gymnastique, hein. Jeune pour la vie normale, on va dire. Et elle produit toujours des performances de très haut niveau. Et comme vous l'avez signalé, Olivier, maintenant, sous les couleurs de l'équipe allemande. Pour remercier l'Allemagne, en fait, d'avoir soigné et sauvé son fils, qui était atteint d'une leucémie. Et elle est installée à Cologne depuis 2003. Parce qu'en plus d'avoir 31 ans, elle a eu le temps, entre deux carrières phénoménales, de mettre au monde un petit bout de chou. Voilà, un parcours complet. Avec ici un deuxième saut légèrement désaxé sur la réception, on parlait de cette précision, regardez ici, ça part malheureusement sur le côté. Et elle prend la première place du concours avec cette note de 14,937 pour Oksana Chusovitina, championne du monde au saut et au sol également. Une première médaille mondiale obtenue en 1991 et cette année à Aroys, elle a obtenu eh bien, le bronze au saut de cheval. Et on va terminer avec Anna Pavlova, la Russe. Voilà, avec un Yurchenko double vrille, renversement, impulsion des bras, propulsion, double vrille. Et réception légèrement vers l'arrière. Le championnat du monde, c'est la chinoise Cheng qui s'est imposée devant l'américaine Sacramone et donc Oksana Chusovitina. Pavlova a terminé à la cinquième place. Et la magnifique saut également, la ronda de demi-tour, l'une salto avant, corps bien tendu et demi-tour. Bien à l'axe. C'est parfait ce que vient de faire Anna Pavlova. On va voir la note finale, la moyenne d'Anna Pavlova qui remporte ce concours. Oui. Laurent, c'est somme toute logique avec cette moyenne de 15,100. Voilà, malheureusement, Chusovitina, l'Allemande, avait été désaxée sur son saut, deuxième saut. Un podium composé d'Anna Pavlova, d'Oksana Chusovitina et de Zamolochikova. Un bien beau podium tout de même ici à Stuttgart avec de sacrés athlètes et de belles artistes. Philippe Houde, le Croate, pour entamer eh bien, l'exercice au sol. On le voit dans tous les grands rendez-vous, régulièrement qualifié pour les finales. Avec ici un tempo suivi d'un twist tendu et demi, double vrille et demi, salto avant tendu. Attention de ne pas sortir. Les gymnastes sont obligés de plus en plus d'enchaîner. Vous voyez comme ici les difficultés. Vrille et demi, vrille, suivi d'une vrille et demi avant. Et le fait d'enchaîner ces difficultés, bien parfois les fait sortir des lignes du praticable. Au championnat du monde, il y a eu 40% des gymnastes qui sont sortis des lignes du praticable. Ça fait beaucoup, hein, ça fait presque un sur deux quand même. Hein. C'est aussi par rapport au nouveau code de pointage, donc il y aura une adaptation à faire forcément, notamment sur la prise d'élan, essayer d'être le plus court possible sur les pas d'élan de départ.
Philippe Houdeuil a remporté l'épreuve de Maribor. Il s'est imposé aussi à Moscou cette année. Il a fait troisième à Gand. Au sol, c'est un spécialiste sur cet anglais. Ah, double vrille. Double vrille avant sur les fesses à l'arrivée. C'est bien dommage. Sachez qu'une réception comme celle-ci coûte 8 dixièmes. 8 dixièmes de faute, les chutes, plus les fautes d'exécution. On arrive très vite à un point de faute sur une difficulté. L'an passé, c'est le Canadien O'Neill qui s'était imposé ici à Stuttgart devant le Suisse Dominguez et le Hongrois Robert Gall. Et au championnat du monde, la médaille d'or est revenue au Roumain Dragulescu, Marian Dragulescu, qui a remporté donc la finale du sol. Le champion sortant, le Brésilien Diego Hipólito, a pris pour sa part la médaille d'argent et le champion olympique de la spécialité, le Canadien Kyle Schufeld, la médaille de bronze. Philippe Houdeuil, 14,850. Le chinois Zefeng. Voilà, une entrée en twist double avant carpé. Très très bien réalisé là. Vrille et demi, vrille et vrille et demi. Regardez la réception. Beaucoup trop bas sur son impulsion là, hein, une impulsion limitée. Ouais. Laurent, la Chine là, au dernier championnat du monde, hein, puisqu'ils sont repartis avec 8 médailles d'or. 8 médailles au total et 8 en or. Il ne faut pas rêver mieux. Voilà la Chine qui refait un bond en avant, puisque jusqu'à présent, on va dire qu'il y avait une domination des Japonais. La Chine qui était un petit peu... On comprend pourquoi avant les Jeux de Pékin. C'est sûr qu'ils font partie des immenses favoris, hein, les Chinois à Pékin, dans un an et demi maintenant, hein, pour les JO de 2008. Voilà, et en tout cas, enfin, pour grouper. Là aussi une chute de 8 dixièmes. Et que pense l'entraîneur national de la décision de faire disputer les finales de natation et de gymnastique très tôt le matin pendant les JO, de manière à ce que les épreuves soient diffusées en prime time aux États-Unis? On est forcément très très déçus, hein, parce que travailler à 8h du matin, c'est très très difficile dans des sports compliqués comme la gymnastique qui demande des qualités de fraîcheur physique, technique et psychologique. D'ailleurs, à titre d'indication, je vous signale que ça avait été interdit dans les années 80-90 de faire matcher les gymnastes à 8h du matin car il y avait eu trop d'accidents. Et là, malheureusement, les enjeux économiques l'emportent sur le sport. C'est un véritable scandale, on peut le dire. Ben pour nous, c'est terrible, oui, parce que ça va demander, pour travailler à 8h du matin, il faut se lever à 5h. Et encore une fois, faire un sport comme la gymnastique, où il y a des prises de risques énormes, où il y a un besoin de fraîcheur, notamment sur la prise de repère, on en parlait tout à l'heure au saut de cheval, tout se joue au millimètre, et on n'a pas droit à l'erreur. Brandon O'Neill, le Canadien, alors que Zefeng avait obtenu tout à l'heure la note donc de 13,900. Une bonne école de gymnastique, hein, maintenant au Canada. Ouais. Avec notamment Kyle Schufeld, hein, on en a parlé tout à l'heure, qui a obtenu... Et il prend la tête du concours à Brandon O'Neill avec une note de 15,450. Le Tunisien Wajdi Boualeg. Tempo, diabolique tendu. Très bon gymnaste au sol. Hein. Double vrille et demi, suivi de vrille. Et le Barani, saltoman demi-tour. On recherche le cumul des bonus et difficultés. Vrille et demi avant.
masque groupé. Le travail au sol. Quelques juges qui s'assouplissent. Hein. On va dire. C'est comme ça. Et un Alphen Carpé. Enfin, groupé, en fin d'exercice. C'est un bon mouvement là pour le Tunisien. Hein. Oui, et on voit quelques athlètes du Maghreb hein, ces derniers temps, avec quelques Algériens aussi, quelques Tunisiens sur le circuit. Oui, il y a un très bon niveau là qui est en train de se mettre en place avec l'Égypte aussi. Et l'Égypte également. Ils présentent des individualités très fortes, à l'image du Tunisien ici, au sol. C'est longtemps qu'il approche les finales et les médailles, hein, ce gymnaste. Il mériterait d'être récompensé par un podium, hein, par une médaille, effectivement. Wajibou Aleg. On voit ici son travail au sol. Hein. Le magnifique Tsukahara. Superbe réception de la part du Tunisien qui attend sa note. Et pour l'instant, il est deuxième avec une note de 15-250. Ah, ce serait une belle récompense hein, s'il pouvait aller décrocher une médaille. Il est très applaudi, bien entendu, Fabian Anpuren, l'Allemand. Troisième du concours général au Mondial d'Aarhus il y a de cela quelques semaines. Avec ici un double japonais avec demi-tour. Double vrille ennemi, double vrille arrière. C'est propre. Précis. Beaucoup d'engagement hein, de la part de l'Allemand avec la vrille ennemi. Attention à la réception. Bien rattrapé. Hein. Je ne sais pas s'il n'a pas mis le gros orteil dehors. Hein. Renversé, monté à l'appui tendu, renversé. Saut de l'ange pour regagner le bout de la diagonale. Et la finale ici, Tsukahara et sa pile. Et bien entendu, il est très applaudi, Fabian Anpuren, qui avait remporté cette épreuve de Stuttgart il y a 2 ans. Ah, il devrait avoir une bonne note, hein, Laurent. Je pense même qu'il devrait être devant. Hein. Il a fait très peu de fautes de réception, à part la vrille et demi, un sursaut. Voilà, sous les yeux de son entraîneur et son père, d'ailleurs. Ouais. Alors, est-ce que c'est sur cette diagonale où on s'était demandé s'il n'avait pas mis le gros orteil dehors? Eh ben non, c'est juste après. Le vrille et demi, le vrille avant et la vrille et demi part sur le côté. Hop. Mais on verra pas. Non, on verra pas, mais c'était à l'intérieur hein, du praticable. Prise d'élan, rondade flic-flac et la vrille salto arrière. Ah, c'est propre, hein. Ça bouge pas d'un centimètre. Ouais, 15-600, il est leader du concours, Fabian Anpuren. Avec la meilleure note donnée par le juge français. Ouais. Et on termine avec David Viora, le Tchèque. Et pour l'instant, le Tunisien est troisième. Attention à ce gymnaste. Qualité acrobatique particulière, tempo Thomas Tanguy. Il a fait médaille de bronze, hein, David Vioral, à Moscou cette année. Au sol, hein, j'ai bien entendu. Vrille et demi, vrille, vrille et demi. Un petit peu juste la vrille et demi, attention. Là par contre, il avait les talons légèrement sur la ligne. Saut de main, double vrille.
Ah, c'est plus difficile là. Trop de fautes sur les réceptions, je pense pas qu'il devrait passer. Bon, on va voir la suite. Thomas Groupé avec beaucoup d'amplitude et la fin ici. Il est en avance hein, par rapport à la petite sonnette. Ouais. Double vrille et demi. Est-ce que ça va suffire pour monter sur le podium et aller dépasser le Tunisien Vadji Boualeg qui pour l'instant est en troisième position? Ça va être serré. Eh bien non, il termine quatrième avec la moins bonne note donnée par le juge français. 15-225 pour David Vioral. La médaille d'or revient à Fabien Onbouren. Médaille d'argent pour Brandon O'Neill. Et eh bien une médaille pour le Tunisien Wadji Boualeg. C'est mérité, hein, Laurent? Oui, tout à fait. Il a failli rentrer en finale au championnat du monde à Aarhus. Ça s'est joué à... Et on va s'intéresser maintenant au cheval d'Arçon. Et on débute avec le Britannique Lewis Smith. Un gymnaste longiligne avec beaucoup de talent et de style. Voilà, double russe ici, léger écart de jambes. Le travail sur l'Arçon, combinaison de Stocklivet, les cercles avec des pivots. Déplacement ici vers l'arrière avec, regardez là, la boucle Magyar du nom du Hongrois Zoltán Magyar en 73 qui avait inventé cet exercice. Et ici, perte d'équilibre dans le travail en facial russe. Et monter à l'appui tendu renversé, ça passe malgré ses... On va regarder la note de Lewis Smith, ça va nous servir de note de référence pour la suite de ce concours où il y aura eh bien, notamment le japonais Tomita Hiroyuki ou le russe Nikolai Kriukov. 15-450 pour Lewis Smith, le jeune britannique. Mori Takehito, le japonais. Là aussi, beaucoup de style pour les Japonais. Combinaison compliquée, difficile, c'est parti. Japonais qui ont pris la médaille de bronze par équipe hein, aux Mondiaux. Et ils faisaient partie de cette équipe d'ailleurs. Mori Takehito. Ouais, beaucoup de travail en facial russe, là, le donkfait, la triple russe. Transport d'un bout à l'autre du cheval et le passage en ciseaux, c'est maintenant demi-tour, un ciseau sauté, on relance vers la plus tendue renversée, la chute, beaucoup trop de précipitation dans la montée à la plus tendue renversée. Ouais, c'est dommage hein, parce que c'était sur le finish hein, cette chute du japonais. Ça n'empêche pas d'avoir le sourire. 14-225 pour Mori Takehito. Et la meilleure note, il l'a obtenue par son compatriote, le juge japonais. Un autre japonais, Tomita Hiroyuki, lui aussi faisait partie de cette équipe du Japon qui est allée chercher la médaille de bronze au championnat du monde. Deuxième du concours général, Tomita Hiroyuki. Gymnaste complet. C'est propre. Hein. Pas énormément d'amplitude dans le positionnement du bassin au-dessus des appuis, mais c'est propre, c'est rythmé. Et la sortie bientôt. Attention, le ciseau arrière, ciseau avant demi-tour, un petit peu juste la rattrape. Et la sortie ici avec pirouette, tour complet. Et oui,
C'est beau aussi, ça survole pas l'engin comme peuvent le faire les Roumains, mais ça reste du travail bien fait, hein, de la part du Japonais. On se souvient de Marius Urzica, notamment, qui était vraiment le maître du cheval d'Arçon, qui est désormais à la retraite d'ailleurs, hein, Marius Urzica. Et la sortie ici, par la plus tendue, avec un tour complet. D'ailleurs, il y a toute une génération qui est partie à la retraite. Hein. Toute une série de gymnastes qui ont décidé de raccrocher, laissant place maintenant aux jeunes. 15-325 pour Tomita Hiroyuki, qui est deuxième, juste, juste devant son compatriote Mori Takehito. Jeune Hongrois, vide Ichvegi. Voilà la balade, la boucle magyar. Donc le Hongrois qui avait inventé cet exercice, Zoltán Magyar. Toujours eu de grands spécialistes au cheval d'Arçon, hein, en Hongrie. Rappelons les principaux, avec Zoltán Magyar, Ferenc Donát, Zoltán Borkai, Georgi Guzoki, tous champions du monde, champions olympiques à cet agrès. Son dernier championnat du monde, aucun Hongrois hein, ouais. Sur le podium, puisque la victoire est revenue à Kinchiao. Devant l'Australien C'est la Touraille et l'Américain Alexander Afimenev. Afimenev, le fils hein, des entraîneurs Vladimir et Svetlana Afimenev. Voilà. Notre Hongrois là, Berki, avec une spécialité, vous allez le voir dans ses ciseaux, c'est l'amplitude des ciseaux. C'est le seul gymnaste qui monte aussi haut. Très bon travail ici dans les passages en faciale russe et boucle, balade. C'est un spécialiste de la discipline. Il a été champion d'Europe l'an dernier. Il a gagné Glasgow, il a gagné Maribor l'année dernière. Il a gagné Cottbus cette année. Et les fameux ciseaux. Et il a gagné aussi Moscou cette année, Christian Berki. Ouais, très bon mouvement là de Berki. Belle finale. Il devrait, selon toute vraisemblance, s'installer en tête du concours, Christian Berki. Quelle amplitude hein, de la part du Hongrois, ça monte haut. Hein. Voilà. Il se sert véritablement de ses jambes comme... un levier pour monter vers l'appui tendu renversé. Allez, 15-750, c'est très aérien dans son exercice, le Hongrois. Qui, quoi qu'il arrive, va donc monter sur le podium avant le passage du dernier gymnaste, Nikolaï Kliukov, qui avait remporté cette épreuve de Stuttgart l'année dernière. Le Russe, médaillé d'argent par équipe au dernier championnat du monde et qui va terminer ce concours au cheval d'Arçon. Lui aussi possède un mouvement compliqué d'ailleurs à tous les agrès. Hein. C'est un gymnaste talentueux, fin technicien. On va voir s'il va tenir ici en plein du Gognon. Passage sur l'Arçon. Et le travail certainement en double russe. Thomas, boucle. Oui, ça passe. Ça va vite. Hein. Ça nous rappelle Urzica, vous l'avez souligné tout à l'heure, Olivier. Passage en Thomas, ciseau demi-tour. C'est propre. Hein. Ouais, pour l'instant, pas de faute. Allez, attention à la sortie. Double cercle. Balade Shivado vers l'arrière.
et la balade Magyar. Je vous parlais de Zoltán Magyar, le revoilà de nouveau avec la sortie. 1, 2, 3, 4 tours. Ouais, c'est superbe ce que vient de faire Nikolaï Kryukov, le Russe, qui avait remporté cette épreuve de Stuttgart l'année dernière. Regardez ce plan magnifique situé juste au-dessus de l'engin. C'est impressionnant, il est complètement désarticulé. Ah, il est magnifique cette image. Magnifique passage de Nikolaï Kryukov. La victoire va se jouer entre lui et Christian Berkey. Petit avantage pour qui là, Laurent? Difficile de se prononcer, oui, hein, tant les deux passages ont été sublimes. Kryukov est très très fort sur le plan technique, mais Berkey est tout petit peu au-dessus sur l'artistique. Et bien voilà, c'est l'artistique qui aura primé puisque Nikolaï Kryukov prend la deuxième place. Et la victoire qui revient donc à Christian Berkey, qui, vous le voyez, aura obtenu la note de 15,750. Un bien beau podium composé de Christian Berkey, Nikolaï Kryukov et Louis Smith. Une courte pause et on revient très vite ici à Stuttgart. Nous sommes de retour à Stuttgart pour cette épreuve de la Coupe du Monde de gymnastique. 24e édition de ce rendez-vous de Stuttgart à la Hans-Martin Schleyer Halle. Et on va passer maintenant à l'épreuve des anneaux avec, là encore, hein, Laurent, un bien beau programme et un bien beau plateau. On débute avec le Vénézuélien Regulo Carmona. De plus en plus de gymnastes de très très bon niveau et issus de pays qu'on n'attendait pas, comme le Venezuela, le Brésil, l'Amérique du Sud, qui revient en force là, hein, après ces championnats du monde. Grand élan avion remonté à la planche faciale. C'est propre, le travail ici en croix de fer. D'ailleurs, c'est lui qui avait remporté l'épreuve de Maribor, hein, le Vénézuélien. Et la sortie. Avec une vrille. Un petit peu tôt, le déclenchement de la vrille. Position aveugle dans la réception, la tête en arrière. D'où le petit sursaut. Ça laisse admiratif, hein, cette musculature chez le Vénézuélien Regulo Carmona. Avec ce pied droit qui part légèrement en avant et ce tout petit déséquilibre, ça va lui coûter quelques dixièmes. Les juges. ...16,175, note de référence donc pour Regulo Carmona, le Vénézuélien. Avant le passage du Hongrois Robert Gall. Est-ce qu'il avion ? Il est là à la croix équerre, remonter un avion. Croix renversée sur les jambes, c'est pas tenu. Soleil. Grand tour en lune. Planche faciale. Jambes écart. Temps de ventre à la quaire. Et la sortie. En avant, encarpé, rampe pas vers l'arrière. Ouais. Ça va lui coûter cher également à Robert Gall. Comment on arrive à se remotiver, Laurent, après les championnats du monde pour aller disputer cette épreuve de Stuttgart? C'est l'optique de la finale de la Coupe du Monde.
ont participé à ce tournoi. En tout cas, c'est la revanche du saut de cheval de Darius. Hein. Ils sont passés à côté de la finale. Et nous avons deux grands spécialistes. Il faut quand même savoir qu'au malgré tout, au saut de cheval à Aarhus, nous avons fini deuxième nation mondiale, derrière les Chinois. Donc on a un vrai potentiel. C'est indéniable. Maintenant, il faut qu'on concrétise. Et pour concrétiser, il faut plus d'expérience. Il faut les faire participer à plus de compétitions. Qui va certainement développer cette motivation, cette combativité qui nous manque encore un petit peu. C'est pour ça qu'on retrouvera tout à l'heure au saut de cheval bien deux Français, Thomas Bouel et Raphaël Vignanitz. Tout à fait. L'Américain Kai Wen Tan. Attention ici, terreur sur le Yamawaki, reprise d'appui, pénalisée. Au Macroix. Ça bouge, hein. C'est pas très stable, la sortie pour l'Américain. En revanche, la réception est bien pilée. Pour Kai Wen Tan, l'Américain. Les pieds sont un petit peu bas ici. Il faut que chaque figure soit stable 2 secondes, 2 ou 3 secondes. 2 secondes minimum. Hein. Et vous demandez à tous les gymnastes de compter jusqu'à 3 dans leur tête. Ah oui, minimum. Et il prend la deuxième place du concours, l'Américain, 16-0-75 pour Kai Wen Tan. C'est un véritable spécialiste de la discipline, Yuri Van Gelder, une musculature impressionnante pour le Néerlandais, qui est allé chercher la médaille de bronze au dernier championnat du monde, alors qu'il était le champion sortant. Une déception finalement pour Yuri Van Gelder. Pénalisé Van Gelder, non pas sur les forces au championnat du monde, mais sur les élans. Et notamment la sortie, où il a quelques difficultés à sortir en back full tendu, c'est-à-dire une double tendue avec vrille. C'est le Chinois Yibing Chen qui a remporté la finale des anneaux devant le vice-champion olympique, le Bulgare Yordan Yotchev. Et donc le champion sortant, le Néerlandais Yuri Van Gelder, qui est allé chercher la médaille de bronze. Et on va voir là justement sur la sortie s'il va pouvoir piler. Eh bien oui, là ça passe. Il aurait fait ça au championnat du monde, c'était bon. Ouais, mais c'est ce qui fait toute la difficulté de ces grands rendez-vous. C'est être présent le jour J. Et malheureusement, eh bien Yuri Van Gelder, même si une médaille de bronze, bon nombre de gymnastes signeraient tout de suite. Ouais, hein. C'est ce niveau-là, oui. Il avait fait médaille d'argent l'année dernière ici à Stuttgart, Yuri Van Gelder. Et il va peut-être aller chercher la première place provisoire. On va voir ça dans quelques instants, juste après cette sortie au ralenti. Et voilà, il prend la première place, Yuri Van Gelder, avec cette note de 16,525. Ouais. Ce sera difficile à aller chercher, hein, parce qu'il a placé la barre très très haute. Avec le 9,60 de l'Hollandais. Par hasard, vous savez que la plus haute note et la plus basse note sont éliminées. Ils sont éliminées, hein, ouais. Il n'a pas fait de la dentelle, là il a mis 3 dixièmes au-dessus des autres. Et bien entendu, il est très applaudi, Thomas Sandbergasson, l'Allemand, chez lui, devant son public, enfant du pays. Alors avant la finale de cette Coupe du Monde à Sao Paulo, il y aura encore une épreuve, Laurent, l'épreuve de Glasgow en Écosse, qu'on pourra suivre à la fin du mois sur notre antenne. Double avant carpé, double avant groupé, rétablissement à la plus tendue renversée.
Et la sortie va full tendue, petit sursaut. Allez, bien aidé par l'appui du public, bien entendu. Le nombreux public présent ici à Stuttgart a une fois de plus apprécié. C'est vrai qu'il a réalisé un beau mouvement, Thomas Anderkassen. Malheureusement, ce ne sera pas suffisant pour monter sur le podium, puisqu'il est quatrième. Ah, il échoue à la plus mauvaise place, alors qu'il y avait Yuri Van Gelder, un type qui était resté juste à côté de lui pour attendre sa note. On termine avec le japonais Tomita Hiroyuki, qui, on vous rappelle, faisait partie de cette équipe du Japon qui est allée chercher la troisième place par équipe aux mondiaux. Les exercices de force dès le départ, Kreuker remonté de nouveau ici en avion. Nakayama. Travail en élan. Double avant carpé. Retour à la lune. Et petit sursaut ici pour ce double encarpé demi-tour. Pour Tomita Hiroyuki qui en a donc terminé avec son mouvement. C'en est terminé également pour cette épreuve aux anneaux. Il prend la cinquième place, cette note de 15,825. Et on va donc revoir tout de suite le tableau récapitulatif de cette épreuve aux anneaux avec la victoire de Yuri Van Gelder. Un dernier plan sur les juges. Et Yuri Van Gelder qui l'emporte avec la note de 16,525, juste devant le Vénézuélien Regulo Carmona et l'Américain Kai Wen Tan. Les barres asymétriques. Place aux jeunes femmes. Avec, on va la retrouver tout à l'heure, donc Oksana Chouzovitina. On peut peut-être en profiter pour parler un petit peu d'Emilie Le Pennec et de prendre de ses nouvelles. Laurent, qui a eu une année sabbatique, entre guillemets, on va le dire. Elle a quand même passé son bac. Voilà. Donc c'est loin d'être une année sabbatique. Elle l'a eu avec succès, puisqu'elle a même décroché une mention. Tout à fait. Donc elle avait mis la priorité sur ses études, un accord avec son entraîneur, bien sûr, et puis la fédération. Donc aujourd'hui, elle reprend l'entraînement, beaucoup de préparation physique pour retrouver le plus haut niveau. Et pas plus tard qu'hier, d'ailleurs, je l'ai pu la voir à l'INSEP, s'entraîner avec un total engagement et beaucoup de conviction pour revenir dans la course olympique. Alors ce sera difficile hein, pour Emilie Le Pennec pour aller à Pékin. Il y aura eh bien, cette médaille d'or à défendre. Il y aura énormément de changements dans la vie et dans le physique d'Emilie Le Pennec entre ce qui s'est passé, bien entendu, à Athènes et ce qui se passera à Pékin, car bien, 4 ans se seront écoulés. Il y aura une métamorphose dans le physique d'Emilie Le Pennec avec tous ses repères à reprendre dans l'espace. Tout à fait, une transformation morphologique légitime, hein, puisque d'adolescente, elle est devenue femme, on va dire, et puis effectivement, avec tout ce que ça entraîne en termes de repères, de techniques physiques. Mais elle a le talent, hein. Elle a le talent pour elle. Paulina Miller, la Russe, médaille de bronze par équipe au championnat du monde. Un très beau lâcher ici en salto avant tendu. Et Stalder, Piemen Katchov, pardon, franchissement dorsal. Retour barre supérieure. Très belle sortie. Ouais. C'est aérien, c'est fluide ce que vient de faire Paulina Miller. Alors vous parliez du talent d'Emilie Le Pennec. Est-ce qu'on peut dire qu'elle est la digne successrice de Svetlana Korkina? Oui, elle peut effectivement l'être, mais c'est dans la continuité des résultats qu'on le verra. Ouais. Parce que Korkina avait quand même fait une carrière très phénoménale, longue. Hein, ouais. Et on parlait tout à l'heure de tous ces gymnastes qui étaient partis à la retraite. Svetlana est également partie en retraite. Hein. Ouais.
On doit avoir une jolie petite retraite dorée en Russie. Hein. Je pense qu'il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Il me semble qu'elle a débuté une carrière dans le cinéma aussi, Svetlana Korkina, ouais. Cinéma et théâtre. Holly Dykes, l'Australienne. Bon début de mouvement pour l'Australienne qui enchaîne ici, barre supérieure, avec un passage à la plus tendue renversée. Tour, demi-tour, un lâcher de barre court carpé. Contre-volé, soleil, tour complet et la sortie en double avec brille, bien réalisé. De la note tout à l'heure de Paulina Miller qui était de 15,375, 14,950 pour l'Australienne Paulina Miller qui l'année dernière avait pris ici à Stuttgart la médaille de bronze. Et on va passer maintenant à l'américaine Yana Bigger, deuxième par équipe au dernier championnat du monde au Danemark. Attention ici, oula, grosse erreur à la plus tendue renversée, barre inférieure. Staller demi-tour, Staller Katchoff. Bien réalisé. Allez, le traîneur se rapproche. Pour la difficulté ou la sortie? Le Katchoff. Ouais. Et la sortie en backpull groupé. Joli passage de Yana Bigger qui est repartie des championnats du monde avec deux médailles d'argent, une par équipe et une au concours général, faut le rappeler pour Yana Bigger. On précise que c'est la Britannique Elizabeth Tweddle qui a remporté la finale des barres asymétriques, déjà championne d'Europe. Hein. Tweddle, à 21 ans, rapporte surtout à la Grande-Bretagne sa première médaille d'or de l'histoire. Elle avait pris le bronze l'an passé à Melbourne. La tenante du titre, l'américaine Anastasia Liukin, a dû se contenter de la médaille d'argent devant l'italienne Vanessa Ferrari. Avec ses plans magnifiques, hein, ses caméras qui sont situées juste au-dessus des engins, qui nous offrent des images remarquables. Et la sortie de l'américaine. C'est toujours très sérieux. On a beau changer le système de notation, on reste toujours très sérieux hein, du côté des juges. Hein. Ouais. Là, ça ne changera pas, ça. Il y a une image un peu rigide, oui. Ouais. Mais bon, de l'autre côté, il y a tellement d'enjeux. Il faut une attention et une concentration énorme de la part des juges aussi. Hein, pour aller voir, pour déjà ben, voir toutes les fautes. Ouais. Détecter toutes les fautes. Et rester le plus objectif possible aussi. C'est toute la difficulté. C'est rester objectif. Parce que détecter les fautes, ça, on peut, à force d'habitude, avoir l'œil, mais rester objectif, c'est quand même très compliqué. On a vu tout à l'heure, hein, avec, c'était le juge néerlandais qui avait mis une note énorme pour Yuri Van Gelder. Allez, Oksana Chusovitina, on se délecte toujours de voir les passages d'Oksana Chusovitina. Et puis, il faut surtout en profiter, parce que maintenant, à chaque fois qu'on la voit, on peut se demander si ce ne sera pas la dernière fois, parce qu'à 31 ans, c'est vrai que maintenant, elle est très très proche de la retraite. Et bien entendu, le public ne s'y trompe pas. Elle est très applaudie, aussi applaudie que les gymnastes allemands. Parce qu'elle est déjà allemande, désormais, même si elle est née en Ouzbékistan. Mais c'est surtout une immense championne. Et puis, il y a beaucoup, beaucoup de maîtrise dans le travail. On sent que c'est toute l'expérience qui parle. Là, même dans ce travail de sortie, les genoux sont serrés, la réception est pilée. Il y a pas grand chose à enlever. Hein. Ouais, elle prend la troisième place avec cette note de 15,325. Et l'anglais qui a mis 8,80. Ouais. Ça l'a fait sourire. Il prépare certainement Tweedle.
Oui. Notre fiddle. Elle aussi, c'est une grande gymnaste, hein. Jana Sikulova, la Tchèque, habituée des grands rendez-vous, habituée des finales, habituée des podiums. Elle avait notamment remporté l'épreuve de Maribor, juste avant les championnats du monde. Remporté l'épreuve de Moscou, l'épreuve de Lyon en mars dernier. Salle des jambes serrées, attention ici, tour complet. Une barre qui bouge énormément, surtout la barre supérieure, elle part droite à gauche, elle tremble, manque de fixation, j'ai l'impression. Et la sortie, préparation double avant. Avec un petit pas en avant. Ouais. Le petit pas en avant pour Jana Sikulova. Ça va peut-être lui coûter le podium. Hein. On est en tout cas serein du côté du clan allemand et du clan de Oksana Chouzovitina. Et effectivement, ça lui coûte le podium puisqu'elle échoue au pied de celui-ci, 1575, avec un podium composé de l'américaine Jana Bigger. Paulina Miller, qui avait fait médaille de bronze l'an dernier, récupère l'argent et une nouvelle médaille dans l'escarcelle et dans la bibliothèque d'Oksana Chouzovitina. Elle a la couleur du bronze, elle monte sur la troisième marche du podium ici, aux barres asymétriques à Stuttgart. Le saut de cheval masculin, et on va donc retrouver nos deux Frenchies, Laurent. Oui. Thomas Bouel, 20 ans, et Raphaël Vignanitz, 22 ans. Pour Thomas Bouel, ce sera sa première participation à une épreuve de Coupe du Monde. Voilà, premier championnat du monde à Aarhus, premier tournoi de Coupe du Monde. Et Tsoukar à triple vrille ici pour le jeune roumain. Il y Daniel Popescu. C'est un roumain d'ailleurs qui avait remporté l'épreuve du saut de cheval au championnat du monde. C'est Marian Dragulescu qui, du même coup, conservait son titre mondial à 26 ans. Il a également été sacré champion du monde au sol. Il a devancé le Bélarus Dimitri Kaspiarovitch et l'Allemand Fabian Honburen. Il y avait une polémique là sur Daniel Popescu, champion du monde. Vous savez qu'il faut faire deux sauts de familles différentes en finale, obligatoirement. Ouais. Et donc là, le jeune roumain Daniel Popescu vient de faire un Tsoukara triple vrille. Pour le Tsoukara, les mains doivent être décalées, ce qu'il a fait parfaitement. Et on se demandait si dans sa lune double vrille et demi, où les mains doivent être parallèles de face, il n'avait pas aussi les mains décalées. On va peut-être le voir ici plus précisément. Voilà, elles sont légèrement décalées, j'ai l'impression. Ce qui tendrait à dire qu'en fait, il fait les deux mêmes sauts. Les deux mêmes sauts, ouais. Les mêmes sauts. Donc, c'est une forme de on va pas dire de tricherie, mais il faut que les mains soient parfaitement alignées. Sinon, on change de structure de saut. Alors, c'est en plus excessivement difficile à juger, puisque les juges, eux, sont au niveau inférieur. Voilà. Donc, ils ont encore plus de mal à pouvoir voir où se situent exactement les mains sur la table de saut, d'où la difficulté d'être juge en gymnastique. Voilà Thomas Bouel, le Français, qu'on découvre pour la première fois à l'image, hein, sur oui. L'antenne de Sport Plus. Première participation à une épreuve de Coupe du Monde. Il vient de disputer les championnats du monde, il est en pleine phase d'apprentissage. Tout à fait. Il faut savoir que ces deux gymnastes, là, Thomas et Raphaël, présentent les deux sauts les plus difficiles sur le circuit. Le Tsoukara double salto arrière carpé, regardez. Saut, précision, amplitude. Voilà, avec un saut sur l'arrière, sur la réception. Mais c'est un saut qui part sur 7. Voilà, beaucoup de stress, hein. On sent la tension. Là, il va préparer son cheval. Alors on voit ici, je vous parlais de Tsoukara, bras écartés, regardez la pose de main, l'amplitude du saut. Voilà, il est satisfait là, il est libéré on va dire. Ouais. Allez, il faut qu'il passe le deuxième saut. Et une bonne note, hein, 16,450. Ouais. Hein. Il est dommage que la note du juge français sorte. Avec Sébastien Darrigade ici, entraîneur de l'INSEP, qui suit Thomas depuis déjà quelques années. Alors, attention le deuxième saut, tout se joue maintenant, lune double avant groupée. Et oui, avec un petit saut sur la réception, mais ça passe.
Ah, il est content à essayer. Là, il peut se, il peut se libérer maintenant, hein, parce que c'est vrai que c'est, mais c'est long finalement ces deux sauts. Hein. Il faut gérer ce stress, mais il va finir par maîtriser toute cette forme d'attente et ce stress, hein, Laurent. Voilà, ça s'apprend effectivement. Vous l'avez dit, Olivier. Donc, le saut, c'est 5 secondes, hein, 5 secondes où on doit faire transpirer un petit peu tout le travail effectué depuis des années. Et une moyenne de 16,285 pour la première place du concours pour Thomas Bouel. Fabian Onburen. Médaillé de bronze. Au saut donc, au dernier championnat du monde. Yoshenko, double vrille et demi. Très bon saut là aussi. Rondade, renversement, un tour, deux tours et demi. Réception vers l'avant. Bien axé. Ils sont tous d'accord. Ouais. Deuxième saut pour l'Allemand. 25 mètres de piste d'élan. Et Tsukara double vrille, c'est un saut en dessous du français. Ça ne devrait pas passer au-dessus. Il est en troisième position, 15,987. Et pour l'instant, la première place est toujours pour Thomas Bouel. C'est Vitali Nakonechny, l'Ukrainien. Un premier saut pour l'Ukrainien. Tsukara, double vrille et demi, mais ça vient en flexion forcée sur la réception. Ça ne passera pas. Attention! Oui, aïe. Attention! Là, il s'en sort, je vous assure. Oh, voilà. Le réflexe en tout cas, l'Ukrainien. Extrême limite. Et on parlait tout à l'heure de la prise de risque au cheval. Oh là, la frayeur qu'il a dû se faire, même s'il y a ce sourire sur le visage de Nakonechny. Oh, il est parti, mais la tête en avant. Un sacré réflexe en tout cas pour effectuer cette roulade juste derrière. On le reverra pas au ralenti parce qu'on va s'intéresser. Bien entendu, à Raphaël Vignanitz, 22 ans, finaliste au championnat du monde au Danemark. Il avait pris la 8e place. Et c'est lui qui peut détrôner Thomas Bouel. Hein. Il a les deux mêmes sauts. Ça va dépendre de la réception de son Tsukara double carpé. Va-t-il rester debout? Allez, c'est parti. Et non, dommage. Aïe. Ah, il s'en veut là. C'est terrible parce que on peut pas se rattraper, on n'a pas de deuxième ouais. Possibilité. Le saut est pas mal, hein. Ça ouvre un tout petit peu trop tôt, c'est tout. Ça manque un petit peu d'adaptation sur l'ouverture. Mais ça finira par passer parce que ces sauts, lorsqu'ils sont bien réalisés, sont tout de suite valorisés. Hein. Alors ce genre de saut, vous le faites combien de fois par jour? Entre 3 et 4 fois par jour. Seulement, pas plus. Non, c'est difficile de faire plus. Ce sont des sauts quand même très dangereux. Hein. Vous avez parce qu'on dit à la limite que la répétition permet ensuite d'atteindre peut-être la perfection, mais là, pas plus de 3 ou 4. C'est-à-dire qu'en fait, plus on répète, plus on s'adapte.
Mais répéter sur le dur comme ceci, c'est quand même dangereux. Ah, il est déçu, Raphaël. Mais ça passera, comme je l'ai pu lui dire récemment. C'est un bosseur, c'est un travailleur. Ça finira par payer. Ah, c'est une belle ligne double avant avec un pas vers l'arrière, mais une belle ouverture dans le... C'était le discours de Loïc Courtois, l'entraîneur d'Amélie Mauresmo. Avant qu'Amélie Mauresmo n'aille décrocher ses titres en grand chelem et devienne numéro 1 mondial, Loïc Courtois ne cessait de lui rappeler et de lui dire « Amélie, ça finira par payer, ça finira par payer, et ça finit par payer. » Il est jeune, mais attention à l'Ukrainien, là, c'est lui qui peut détrôner d'une double avant demi-tour avec un pas sous le côté. Andrei Isaïev pour une première note donc de 16-200, deuxième saut qui doit donc être différent du premier. C'est ce que devra faire un premier saut Thomas Boel. Là, on a vu une lune double avant demi-tour. Il travaille ce saut Thomas depuis déjà pas mal de temps. Il a déjà réalisé sur le dur. On a un an et demi pour le peaufiner. Attention, le deuxième saut qui devrait être un Tsukara double carpé normalement. Voilà, Tsukara 1, 2. Et c'est pas mal. Pas mal. Ça peut jouer avec Thomas, mais il n'y a pas grand chose. Peut-être au-dessus parce que le premier saut, la note de départ est plus haute. Note de départ à 7 sur le premier saut. Alors que Thomas était à 6,60 sur le deuxième saut. Allez, ça va se jouer sur la note de départ. Je pense que l'Ukrainien va être légèrement devant. Alors que techniquement, sur le tout du carpé, il est moins bon. Hein. Ouais. Il est moins bon. Avec la recherche ici de la réception entre les lignes. Alors avec ces écrans géants là, qui proposent au public les ralentis, est-ce que ça ne peut pas aussi influencer les juges? Est-ce que les juges ne vont pas jeter un petit coup d'œil également sur le ralenti, Laurent? En général, aussi fausser un petit peu la note. Lorsque le gymnaste se réceptionne, le juge a la tête baissée pour marquer ses points, ses annotations. Ouais. Donc normalement, il ne le voit pas, on va dire. Voilà, normalement. Ouais. Nous nous sommes compris alors. Brandon O'Neill, le Canadien. On se comprend. Tsukara double vrille et demi pour le Canadien. C'est très bien parti. Attention, attention au deuxième saut. Que Brandon O'Neill, c'est pas n'importe qui. Beaucoup de métier. Beaucoup plus d'assurance. Beaucoup plus d'assurance. Attention ici, rondade. Oh là! Bon, ben ça va permettre à Thomas Boel de toute façon rester sur le podium et surtout de conserver sa médaille d'argent. Ah, il prend la 7e place, le Canadien. Et médaille d'argent donc pour Thomas Boel. Et oui. Ça, c'est la bonne nouvelle de la journée ici à Stuttgart. Un podium composé d'Andriy Isaïev, Thomas Boel et Ily Popescu. À tout de suite. Avant de s'intéresser à l'épreuve de la poutre, on peut peut-être revenir un court instant, Laurent, sur cette belle, belle médaille d'argent de Thomas Boel il y a de cela quelques instants, le saut de cheval. Oui, bravo Thomas. Hein. C'est vrai qu'on attendait ce résultat. On sait qu'il est très fort. On le voit tous les jours à l'entraînement. Au championnat du monde, ce n'est pas passé. Manque d'expérience. Là, je pense que le chemin est tout tracé. Hein. Il s'est fait connaître. Il a montré qu'il était un très bon spécialiste face aux concurrents. Et donc, à lui de jouer maintenant, il a toutes les armes, on va dire, dans les mains pour continuer sur sa lancée de Stuttgart. Est-ce que Thomas Boel est le successeur de Laurent Barbieri, alors au saut de cheval? Je pense qu'il a en tout cas tout à fait le potentiel. Et lui et Raphaël Viljanic, ils ont les deux... Et Raphaël, bien entendu, on ne l'oublie pas. Hein. Ouais, les deux, la possibilité de continuer... Il y a toujours une très très bonne école de bons sauteurs en gymnastique. Alors ça vous titille encore un petit peu, vous, de sauter, vous, parce que ça n'a plus rien à voir par rapport à votre époque. Hein. La table de saut est différente. C'est vrai que j'aurais bien aimé avoir ce type d'agrès dynamique, confortable, très sécurisé, qu'on n'avait pas du tout avant, puisque le cheval avant était en longueur. Il ne mesurait pas plus de 15 cm de large. Hein. Alors pourquoi laisser les mains? Il n'y avait pas beaucoup de place. Voilà, il n'y avait pas trop le droit à l'erreur. Donc ça vous arrive encore de sauter? De temps en temps, oui. Oui, pour montrer aux jeunes.
Non, je ne leur montre plus rien, ils sont vraiment au-dessus maintenant. Allez, la poutre avec Irina Krasniganska. Alors, c'est pas l'alarme incendie, hein. Ça signifie juste qu'il lui reste 10 petites secondes pour terminer son mouvement. Et la sortie, un double salto arrière carpé. C'était limite hein, pour ouais. cette jeune ukrainienne de 19 ans qui eh bien, est tout simplement championne du monde en titre puisqu'elle a remporté l'or à Aarhus, au Danemark, il y a de cela quelques jours. La Roumaine Sandra Izbadza, championne d'Europe du saut en avril dernier, a pour sa part pris la médaille d'argent. Et la Canadienne Ilse Hopfner-Ips, la médaille de bronze. Et la favorite chinoise Nan Tsang, prenant pour sa part la quatrième place, à égalité avec la Russe Anna Pavlova. Anna Kornskova, ici à l'image, la Tchèque. Alors qu'Irina Krasniganska, pardon, a pris la note de 15,550. C'était pas facile à prononcer. C'est les mieux amis, Olivier. Si vous le dites. Et la sortie pour Kornskova. Voilà, c'est fait. Salto en vrille groupé. Ah, ça sera peut-être pas suffisant pour aller dépasser la championne du monde en titre. Sachez que l'année dernière, c'est la Roumaine Catalina Ponor hein, qui s'était imposée ici à Stuttgart devant Lily Wang, la chinoise, et Marine de Beauve, la française. Pas de française hein, cette année à Stuttgart. Et la note de Kornskova de 14,150, Daria Zgoba, ukrainienne. Belle entrée ici, un équilibre, grand écart. Salto avant, salto arrière, pardon, corps tendu. Salto facial. Attention. Courant d'air là, il faudrait fermer la porte. Ah, c'est vraiment l'agrès le plus compliqué. Pas large, hein. À peine 10 cm de largeur. Hein. Salto avant encore groupé. Attention, le temps va être dépassé là. Voilà. Ouais. Alors, c'est comptabilisé comme temps dépassé ou pas? Parce qu'elle était, elle n'était plus sur l'engin. Ouais. Hein, quand la... C'est la réception qui compte. C'est la réception qui compte. Hein. Donc, elle sera pénalisée. Bon, on va voir ça. Parce que ça avait déjà été le cas pour Irina Krasniganska hein, au début. Super montré très en matière. Hein, ouais. Regardez cette souplesse en maintien.
tout petit déséquilibre. Ouais, plan magnifique, hein. C'est là où on s'aperçoit vraiment que c'est pas large. Hein. Ouais. Moi, je suis à chaque fois impressionné quand même, à part les épreuves sur poutre. Parce qu'il faut une concentration extrême avec la deuxième place et finalement, elle n'a pas été sanctionnée, Laurent, vous voyez. Ouais. Pas de pénalité pour Daria Asgoba. Indulgence des juges pour la jeune ukrainienne. Place maintenant à l'Australienne Holly Dykes. Double arrière groupé. On ne se posera pas la question de savoir si elle a dépassé son temps, puisqu'il n'y a même pas eu besoin de lui indiquer qu'il ne lui restait que 10 secondes. C'est bien pour la petite Australienne, hein. C'est pas mal le travail qu'elle a fait. L'Australie d'ailleurs qui, entre parenthèses, comptabilise le plus grand nombre d'entraîneurs de l'ex-Union soviétique, garçons et filles confondus. Quand même l'entraîneur de chez les garçons d'Ivan Ivankov, de Vitaly Cherbo. Oui, quand même. Hein. C'est quoi, c'est l'attrait du soleil ou c'est, oh, c'est ils ont le confort de vie. Il y a plus d'une centaine d'entraîneurs ex-russes, Union soviétique, qui sont partis à l'étranger. D'où le nivellement d'ailleurs du niveau technique un peu et la montée de pays comme le Brésil, l'Australie. L'Australie qui ramène 2 médailles chez les garçons, hein, après le championnat du monde. Philippe Rizzo. Voilà, Philippe Rizzo à la barre fixe. Et puis, jeune Australien aux arçons. Philippe Rizzo, dont le père était. C'est le père ou la mère était français. Le père. C'est le père. Hein. Qui avait même fait les Jeux Olympiques. Qui avait fait. Voilà, c'est ça, qui avait fait les Jeux Olympiques. En 1960. Ouais. Année de ma naissance. Dans les années 60. C'est une belle année, c'est un bon cru. Je sais pas. Allez, Anna Pavlova, la russe, à la poutre, avec Salto Costa, l'attention. Bien rattrapé. Médaillée de bronze par équipe à russe. Depuis le début. Hein. Ouais, on la sentait fébrile hein, sur l'engin, Anna Pavlova. Vous savez, Olivier, le plus rageant, c'est de continuer son mouvement, sachant que de toute façon, tout est perdu. Tout est fichu, ouais. Mais c'est pour la beauté du geste. C'est dommage parce que derrière ouais. C'est propre. Hein. Dès qu'elle entame l'acrobatie, Anna Pavlova, elle est nettement au-dessus. C'est plus dans les sauts chorégraphiques qu'elle a du mal. Rondade.
double vrille et demi, voyez. Ah, quel dommage qu'il y ait eu cette chute pour Anna Pavlova. Parce qu'après, eh bien, l'erreur de la Russe, c'était fluide, ça coulait tout seul. Elle paye cher hein, cette chute, Anna Pavlova, puisqu'elle prend la cinquième place pour une note de 14-500. Et au finish, eh bien, c'est l'Australienne Holly Dykes qui s'impose devant la championne du monde en titre, Irina Krasnianska, et sa compatriote Daria Zgoba. Les barres parallèles désormais. Avec une nouvelle fois un bien beau plateau. Et on va débuter tout de suite avec le japonais Mori Takehito. Salto en dessous, demi-tour, salto en dessous, bras tendu. Soleil, double arrière groupé. Soleil dans les barres. Petit pelt. Demi-tour. Salto Peter sur une barre. Équilibre en force. Attention. Et la sortie, un double carpé avec un pas en arrière. Bon, ça reste un bon mouvement de la part de Mori Takehito. Très bon mouvement. ...15-525, ce sera la note de référence. Avec son compatriote japonais qui lui a mis la note de 9-30. Il était resté dans la moyenne, sans être trop au-dessus ni trop en dessous. Alexandre Tsarevich, le Biélorusse. Grand gymnaste, longiligne, salto en dessous, bras tendu. Tout mal, soleil, double arrière dans les barres. Curl à l'appui. Valse arrière. Et c'est bien ça pour le ukrainien. Belarus. L'année dernière, c'était le Slovène Petkovsek hein, qui s'était imposé ici à Stuttgart. Petkovsek absent de son épreuve de Maribor en Slovénie, absent aussi au championnat du monde pour cause de blessure. Ouais, poignet, ouais, il s'est fait une entorse au poignet. Difficile hein, de se blesser comme ça avant des grands rendez-vous, comme ce fut le cas également pour Pierre-Yves Béni, hein, qui... Ouais. A raté ces championnats du monde et qui s'est maintenant fixé comme objectif et bien tout simplement d'être présent aux Jeux Olympiques de Pékin dans un an et demi. Fabien Onbouren. Un peu fatigué là sur le salto en dessous. Oui, double arrière limite. Carré-quer, équilibre. Et la sortie, double carpé. Oui, c'est bien ce que vient de faire Fabien Onbouren. Il va probablement aller chercher la première place provisoire de ce concours. Avec bien entendu quelques supportrices pour le jeune Allemand. Voilà, 15-575. Avec une cohérence chez tous les juges. Nikolaï Kryukov, le Russe. Grand monsieur aussi hein, de la gymnastique mondiale, Nikolaï Kryukov. Deuxième au championnat du monde par équipe. Un habitué des grands rendez-vous, des grands moments, des podiums. Nikolaï Kryukov qui s'était blessé aux internationaux de France de Lyon il y a un an et demi. À cet engin d'ailleurs, au bar parallèle. Il a bien récupéré après l'opération du long biceps. Salto en dessous, demi-tour.
Soleil Demidov, Dubaïer. Demidov de nouveau, demi-tour sur une barre. Double arrière dans les barres. Et liqueur. Très très bon gymnaste. Ouais, ouh, c'est dommage. Cette petite erreur au niveau de la réception avec ce pas qui part en avant. Mais ça ne l'empêche pas de prendre la première place de ce concours. 15-800 pour Nikolaï Kryukov, eh bien, qui va rejoindre son entraîneur avec le sourire, hein, puisqu'il est le leader. Avant que ne passe Li Xiaopeng, le chinois. Ah, lui, c'est magnifique le travail qu'il fait. Lui, c'est un sacré coco. Hein. Un soleil double carpé dans les barres. La Chine, qui on le rappelle, a remarquablement préparé les Jeux Olympiques de Pékin en remportant quand même 8 médailles d'or au dernier championnat du monde. Il aura tout de même fallu attendre 15 ans pour qu'une nation gagne les deux titres par équipe lors des championnats du monde. La dernière fois, c'était en 91, vous vous en souvenez? C'était à Indianapolis. Oui. C'était l'URSS à l'époque qui l'avait emporté chez les femmes comme chez les hommes, avant de récidiver d'ailleurs aux Jeux Olympiques de Barcelone l'année suivante. Li Xiaopeng, le chinois, qui s'installe en tête, qui passe devant Nikolaï Kryukov. 16-300 pour le chinois. Quoi qu'il arrive, il sera sur le podium donc, puisqu'il ne reste plus qu'un seul passage, celui de Tomita Hiroyuki. Attention à Tomita, c'est le meilleur spécialiste des barres. Oui, médaillé d'argent à Aarhus. Et à Russe, il était malade. Hein. Donc c'est vous dire. Hein. Ouais. Alors voyons voir ça. Il était malade et il avait terminé deuxième avec 15-950 alors que le chinois Wei Yang avait eu 16-075. Ça s'était joué vraiment à peu de choses. Tente de ventre double arrière. Soleil double arrière. Vals, coupé, car équilibre, attention. Dixième de faute. Là. Demi-tour. Demi-off et demi. Préparation à la sortie. Allez, c'est parti. Hey. Il y a le tout petit sursaut en avant pour le japonais Tomita Hiroyuki. Est-ce que ça va être suffisant pour aller dépasser le chinois Li Xiaopeng? Je pense pas, Laurent. Ça va être juste. Ça va être juste. On va voir la note tout de suite du japonais qui prend eh bien, finalement la deuxième place du concours. 15-850. Victoire de Li Xiaopeng. Une courte pause et on revient très vite ici à Stuttgart. Terminé ce rendez-vous de Stuttgart avec les deux dernières finales. On débute avec la barre fixe et on terminera avec la grâce féminine au sol en musique. Mais pour le moment, place à la barre fixe. On revient un court instant sur cette finale des barres parallèles avec eh bien, cette belle performance de Li Xiaopeng, Laurent. Ah oui, avec un niveau acrobatique impressionnant. Et Tomita, malgré son excellent mouvement, le japonais n'a pas pu passer devant avec cette réception en sortie là. Dixième de faute supplémentaire. Donc le chinois et la Chine qui confirment. Et puis maintenant, on les verra à chaque rendez-vous, hein, les Chinois. Et là, jusqu'à Pékin, on va les voir jusqu'à partout. Pékin, on va les voir partout. Autant s'habituer à ses visages. Alexander Tsarevich. Un Kovacs groupé. De mettre un petit peu d'huile sur la fixe là parce que. Allez, c'est partout pareil. Hein. Et triple saut arrière groupé. Aïe.
Et on a vraiment l'impression que sur la barre fixe, tout le mouvement se fait en apnée, hein, Laurent. Oui, parce qu'on on ne voit, on n'entend pas la respiration de l'athlète, mais il y a des phases d'expiration et d'inspiration, je vous rassure. Non, mais j'étais pas inquiet, mais c'est vrai qu'on a l'impression que l'effort est constant sur cet engin. Ah, ça s'arrête pas, oui. C'est ici, lâcher de barre. Samuel Piasecki, le Slovaque. Alors que Tsarevich a obtenu la note de 15,050. Beaucoup de changements de face, hein. Tour au volant. Bien identifié cela avec un tour et demi ici et la sortie. En double vrille, attention. Non, dommage qu'il y ait ses réceptions sur les genoux. Pas de fouet, pas suffisamment de fouet. Aïe, 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 j'allais vous dire que le mouvement était propre, qu'il n'y avait pas beaucoup de fautes. Mais il est déçu, Samuel Piasecki. 14-300 pour le Slovaque. Et ce sera difficile, difficile de monter sur le podium. Puisqu'il y a deux sacrés clients qui vont se succéder. D'abord Eishi Segiyushi, suivi d'Alias Pegan. Médaillé de bronze par équipe au championnat du monde. Quand on vous disait qu'il y avait énormément de champions du monde, ou de médaillés plutôt, au dernier championnat du monde, avec notamment ce jeune japonais. Kovac de Vrille pour débuter ici, magnifique. Tchoukarine pour complet, suivi de Markelov. Elle a plus tendu renversé de Tchoukarine. En fait, c'est assez rare pour le souligner. Talder tour complet. Allez, la préparation pour la sortie. Oui, la réception est parfaite, c'est pilé pour le japonais Eishi Segiyushi. Ah, au ralenti, ça va vite, hein. Regardez un petit peu cette impulsion. Tout petit pas, c'est pas pilé à 100%, on va dire 90%. Hein. Ouais, ça n'empêche pas de prendre la première place du concours, 15-825. Pour Eishi Sekiyushi, qui laisse donc, qui prend la première place à Alexander Tsarevich. Attention à Alias Pegan. Alias Pegan, un des spécialistes de la discipline, qui avait d'ailleurs remporté ce rendez-vous de Stuttgart l'année dernière. Alias Pegan qui a la particularité de présenter un lâcher de barre en double rotation avant, groupé demi-tour. Voilà, c'est maintenant, regardez la prise d'élan. C'est très périlleux, et là. Pour l'instant, c'est un sans-faute. Hein. Il est vice-champion du monde en titre, hein, Alias Pegan. Bien placé sur ses appuis. Tour complet d'un bras. Endo. Attention à la sortie. Triple salto. 1, 2, 3. Waouh, ouais. Un petit pas en arrière. Ouais. Et il est pas loin de la barre. Hein. Il doit être à peu près à. Non, on va revoir ça. Regardez le lâcher de barre ici. 1, 2, demi-tour. Et il va rechercher cette barre, hein, avec sa main. Il sentait qu'il la cherchait, hein, la barre. Hein. Ouais. Regardez le lâcher ici. Prise d'élan. On va bien voir. Ah non, c'est le tour complet sur un bras.
sortie, elle est très proche de la barre. Je ne vous dis pas, il n'est pas loin. Il doit être à peu près à 30 cm. On ose à peine imaginer si la tête va toucher la barre. N'imaginons pas. Non. En tout cas, Elias Pegan, on attend sa note avec impatience hein, de la part du juge. Ils ont l'air fatigués, vraiment. Ah, c'était long. Ouais, c'était long pour eux. La journée et le week-end a été long hein, pour les juges. Et il prend la première place du concours. Il détrône eh bien, de la première marche du podium le japonais Aichi Sekiyushi. 16-0-25 pour Elias Pegan. On rappelle que la médaille d'or au championnat du monde est revenue à l'Australien Philippe Rizzo, donc devant Elias Pegan, alors que la médaille de bronze est revenue au champion d'Europe, le grec Vlasios Maras. Christophe Scherrer, le Suisse. Il a fait troisième l'an dernier ici en Allemagne. Troisième à Maribor. Troisième au championnat d'Europe aussi. Ah, c'est un contenu difficile, mais beaucoup de fautes. Hein. Fautes de jambes sur les rattrapes. Ah, la sortie un peu juste. Hein. On va le lâcher avec vrille ici. Ça s'accélère hein, pour aller chercher de la vitesse pour la sortie avec l'entraîneur qui se trouvait juste à ses côtés pour la réception et 15-575 pour Christophe Scherrer. Et on termine avec le marathonien du jour, Fabian Hombourun, présent 4 finales sur 6 hein, ici à Stuttgart. Attention, son lâcher de barre. C'est un Kovacs Vrille, va-t-il le réussir? Pas très chanceux en ce moment. Oui, et ça passe. Allez. C'est étonnant, on sentait qu'il allait partir à la faute malheureusement. Fabian Hombourun, il n'a pas été capable de récupérer cette barre. Et heureusement qu'il y a ses tapis de réception. Il est déçu là, hein. Il n'y avait aucun risque sur le lâcher. Hein. Mais c'est plus la déception, colère. Il avait fait un beau mouvement là. Ah, il faut conclure, et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, ce qui est terrible, c'est qu'il faut se relancer quand on sait que de toute façon, tout est perdu. Ah, il lui restait plus grand chose à faire à Fabian Hombourun. Mais il n'en reste pas moins que son week-end à Stuttgart aura été réussi. Il est très déçu, il aurait aimé faire mieux devant son public. Mais il n'empêche qu'il va quitter Stuttgart avec tout de même une médaille d'or autour du cou puisqu'il avait remporté l'épreuve au sol. Et là, il va prendre la 4e place de ce concours à la barre fixe. 15-175, ça reste une belle note hein, malgré cette chute hein, pour Fabian. Et puis ça va pouvoir l'accrocher dans sa chambre. Le podium composé d'Alias Pegan, d'Aichi Sekiyushi et de Christophe Scherrer qui, comme l'an dernier, remporte la médaille de bronze ici à Stuttgart. On termine, Laurent, avec la grâce, la musique et l'élégance des jeunes femmes pour l'épreuve au sol. Et on va débuter tout de suite
avec la Russe Anna Pavlova. Juste attendre que la sono soit prête. Parce que les juges, elles sont fin prêtes. Hein. Elles ne bougent pas. Non. Elles sont toutes oui. Comme nous d'ailleurs. Go. Musique lente en contraste un petit peu avec l'explosivité de ouais. Sukahara. Double vrille et demi suivi de salto avant rendu. Salto avant vrille étendue. Je trouve que c'est une musique qui n'est pas franchement en relation avec ce qu'elle nous propose sur le praticable, hein, Anna Pavlova. Ouais. C'est une musique un peu planante. Pas beaucoup de rythme. Même si l'exercice de Pavlova pour l'instant reste parfait. C'est pas passé grand chose entre la musique et la. Non, ça restera pas dans les annales. Hein. Peut-être qu'avec les gymnastes suivantes, pardon, on aura un petit peu plus d'explosivité sur le praticable. 14-675 pour la Russe Anna Pavlova. Elena Zabolochikova, sa compatriote. Grande dame aussi hein, de la gymnastique mondiale. Salto avant vrille regroupé. Voilà. Et alors là, c'est. Alors là, on a une musique une percussion dynamique qui l'a propulsée en dehors du praticable. Alors elle m'essaie de prendre la musique de Pavlova. Et c'est 12 mètres sur 12, hein, le praticable. Là, il lui faudra un praticable de 15 sur 15. On n'est pas charitable. Hein. Ah, mais là, c'est une faute énorme, cela dit, Laurent. Ah, ben, quand elle sort comme ça directement du praticable. C'est, je crois que c'est 5 dixièmes de faute. Oui. Parce que là, en plus, le praticable, il est sur une estrade. Elle aurait très bien pu se retrouver en dessous, hein, à l'étage inférieur. C'est déjà arrivé. Cette fois, elle est restée à l'intérieur. Dommage, cette entrée. Oui, il y avait plus de rythme, plus d'envie chez Elena Zabolochikova, plus de difficultés aussi. Dommage qu'il y ait eu cette entrée complètement ratée à l'issue de cette première diagonale. Où elle est allée mettre les deux pieds à l'extérieur. 14-150, c'est pénalisé tout de suite. Pour l'instant, elle est 3e, 5 dixièmes, c'est beaucoup. Hein. Ouais, dès qu'on met les pieds dehors, c'est 5 dixièmes. Ouais. Yana Bigger, l'américaine, qui avait fait médaille d'argent donc au championnat du monde. La victoire étant revenue à la chinoise Cheng Fei. Et la médaille de bronze est revenue à l'italienne Vanessa Ferrari. Double arrière tendue pour l'américaine.
J'entends encore groupé vrille, triple vrille ici. Là, ça reste dans les cordes. L'arrière carpé. Il y a la vigueur, l'américaine. Elle regarde son entraîneur. Et elle prend la tête du concours. 1550 pour Yana Bigger. L'année dernière, c'est Diane Dos Santos qui avait remporté cette épreuve de Stuttgart. Place à l'Espagnole Lenica De Simone. Diane Dos Santos qui n'a pas réussi à conserver son titre ici à Stuttgart et qui fut quatrième au Mondiaux d'Aarhus. Oh là là, Tsuka a carpé, mais elle est partie au ralenti, ça se voyait dans la course. Ça, c'est terrible hein, de débuter un exercice en faisant une faute aussi grossière et énorme. Et puis derrière, il faut se reconcentrer. Hein. Ça s'est vu dans sa course, elle a été à l'arrêt, quoi. Yeux de la juge de touche qui lève le drapeau si le pied sort du praticable. T'en rigoles pas, hein? Elle a l'œil. Hein. Double vrille. Dommage qu'il y ait eu cette première diagonale, pour ainsi dire, au ralenti, Laurent, ouais. Pour l'Espagnol Lenica De Simone. Oui, parce qu'elle fait une chute, 8 dixièmes de point. Peut-être voir. Ça va lui coûter très très cher. Il n'y a pas de pénalité ouais, pour. Ce sont des pénalités pour Mademoiselle qui sont Simone. Incluses dans l'exécution. Hein. Ouais. Donc il y a les 8 dixièmes, elles y sont, puisqu'elle a fait une chute. C'est quand on sort du praticable, voilà, on sort des lignes, on saute cheval, que les pénalités apparaissent. 13-675 en tout cas pour l'Espagnol. Et on va terminer eh bien, ce rendez-vous de Stuttgart avec cette demoiselle australienne, Daria Djur. Tsukara, regroupée. On entend des encouragements en russe. Donc, là aussi, c'est une gymnaste russe qui a certainement immigré en Australie. C'est vrai qu'elle a un prénom et un nom plus à consonance russe qu'australienne. On voit le chronomètre hein, derrière sur l'écran.
puisque le passage au sol, c'est entre 1 minute 30 et 2 minutes, hein, Laurent. Oui. Petite faute là sur la réception. Double vrille et demi, salto avant vrille, décalé sur la droite. Et voilà, on en termine donc avec ce programme ici à Stuttgart et la performance de Daria Djoura qui va au finish prendre la deuxième place de ce concours avec cette note de 14,875 pour cette jeune Australienne au finish. Eh bien, ce rendez-vous de Stuttgart et cette épreuve au sol est remportée par Yana Bigger devant Daria Djoura et Anna Pavlova. Reste à vous remercier, Laurent. Avec plaisir, Olivier. On a passé eh bien, de bons moments ici à Stuttgart. Et en conclusion, on peut revenir un petit peu sur les Français. On va croiser les doigts pour la suite et tout le travail qui reste à accomplir dans l'optique de Pékin. Voilà, c'est prometteur. Il faut continuer. En tout cas, les résultats vont arriver avec le travail que fournissent ces gymnastes. Et on a été en tout cas ravis eh bien, de découvrir pour la première fois à l'antenne sur Sport Plus Thomas Bouel et Raphaël Vignanitz. On vous rappelle la très belle médaille d'argent de Thomas Bouel au saut. À très bientôt sur Sport Plus pour de nouvelles images de gymnastique. Ciao.